Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception colis, les amis. C'est un colis juste incroyable. Je pense que ça fait partie des plus gros colis que j'ai reçus. Je pense même que d'ailleurs c'est le plus gros, c'est l'un des plus gros. En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a pour très cher à l'intérieur. J'ai un petit peu cassé mon tirelire. Il y a vos cadeaux de Noël que vous allez gagner le 25 décembre pendant le live. Je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Je ferai une vidéo dédiée spécialement pour ça. Donc je pense pas que je vais vous montrer vos cadeaux tout de suite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y en a pour des sous dedans et qu'il y a vos cadeaux de Noël. Donc je suis vraiment impatient que vous puissiez découvrir tous ces cadeaux qu'il y a à l'intérieur. En attendant, vous allez découvrir mes cadeaux que je me suis acheté pour moi et on verra pour les cadeaux que je vous ai achetés pour vous. Allez, on va commencer par ça. Je ne sais pas du tout dans quel sens prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, il y a un carton déjà. Alors là, il y a un carton. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Hop. Alors, ah yes, ok. Allez, je vais envoyer la caméra. Du coup, les amis, on a la petite pancarte qui va autour. Et je vais vous montrer pourquoi il y a la petite pancarte qui va autour. Je me suis acheté une display de ces box, en fait, de ces nouvelles Pokébox. Une display complète de ces nouvelles Pokébox. Avec bien entendu le Dracaufeu. Magnifique, je suis vraiment content. Donc du coup, je me suis pris une caisse complète de 6 Pokébox avec la Dracaufeu. La petite Noctalie qui fait plaisir. Et du coup le petit Oslay que j'aime beaucoup. Franchement c'est vraiment cool. Donc je me suis pris une caisse de 6. Donc 2 de chaque. Je suis vraiment content. Ça va aller dans ma collection directement scellée. Voilà, dans ma petite collection scellée. Hop, on va mettre ça comme ça. Alors voilà, et ça va aller comme ça dans ma petite collection scellée. Voilà, une petite display de Pokébox, des nouvelles Pokébox. Magnifique, je suis très content. Hop, je vais la mettre là-haut sur ma petite étagère. Et voilà, ça sera de côté. Et quand j'aurai envie de craquer, eh ben, j'ouvrirai une petite Pokébox de temps en temps. Allez, premier petit cadeau, on va le mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, il n'y a que des cartons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Je vous dis, les amis, il y a plein de cartons. C'est un gros carton dans des petits cartons. Ou des petits cartons dans un gros carton. Non, c'est plutôt ça. C'est plutôt dans le sens contraire. N'importe quoi. Oh, les amis, en vrai, quand je reçois des trucs, je suis vraiment un gamin. J'ai là... Je suis trop content en vrai. Youhou! Alors déjà, il y a une petite ETB. Forcément, je me suis commandé une petite ETB Tempête Argentée pour la collection. Forcément, une petite ETB pour la collection. Même si vous le savez, je ne suis pas fan de Goopix, mais bon, je voulais quand même le TB pour aller avec forcément dans la collection de scellé. Donc je me suis pris une petite ETB Tempête Argentée scellée. Ensuite, là, il y a votre cadeau, donc je ne vais pas vous le montrer. Ensuite, je me suis pris... Hop. Je me suis repris plutôt une display Star Étincelante, puisque si vous vous souvenez bien, je l'avais ouvert pour le 23 octobre. Pour les 1 an de la chaîne, d'ailleurs j'avais eu le petit Dracaufeu alternative. Et du coup, comme je vous avais demandé quel display ouvert, vous m'avez dit quel display ouvrir, vous m'avez dit Star Étincelante. Donc j'avais pris ma display Star Étincelante dans ma collection. Du coup, j'en ai recommandé une pour la mettre directement dans ma collection. Donc celle-là, elle ira dans ma collection et elle bougera pas dans ma collection de display scellé. Ensuite, il y a la deuxième display Star Étincelante, les amis. Celle-là, ça va être la display Star Étincelante que je vais ouvrir en live. Pour le box break, je vous rappelle que les boosters sont à 5,50€. Vous m'envoyez un message sur Insta ou sur Facebook
toutes les personnes qui achèteront des boosters ne seront pas perdants. Vous aurez un cadeau quoi qu'il arrive. Toutes les personnes qui participeront au box break auront un cadeau quoi qu'il arrive. Donc il n'y aura pas de perdant. Sachez-le, il n'y aura pas de perdant. Voilà. Donc il y aura des cadeaux destinés spécialement pour les gens qui ont participé au box break, quoi qu'il arrive. Donc ça, 5,50€ les amis. Donc c'est vraiment pas cher, hein. J'ai jamais vu un youtubeur faire des boosters à 5,50€, hein, personnellement. Donc c'est vraiment pas cher, c'est cadeau, c'est pour Noël, voilà. Donc celle-là, on l'ouvrira en live le 25 décembre. Ensuite, bah là il y a votre cadeau, je vais pas vous le montrer tout de suite. Ensuite, il y a un très gros. Là il y a un très gros carton les gars. Oh, il y a un très gros carton les gars. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense qu'il y a aussi encore vos cadeaux, les gars. Il y a encore vos cadeaux, les gars. Ah oui, il y a encore vos cadeaux. Oh, les gars. Il y a plein de cadeaux pour vous, les amis. Oh, incroyable. Il y a plein de cadeaux pour vous, les amis. Incroyable. Ensuite, et bah forcément, je me suis pris les plus beaux coffrets du moment. Les plus incroyables et les plus beaux coffrets. Vous voyez Arédi Phoenix, les amis, comment il emballe tout. Franchement, c'est une perle, ce mec. Il emballe tout sous papier bulle. Tout est bien mis, tout est... C'est incroyable. N'hésitez pas, les amis, avec PokéKiller 5, vous avez moins 5% sur tout le site. Allez, le petit coffret Palkia qui est incroyable. Ça, c'est une... C'est une petite pépite. Ce coffret, c'est une petite pépite. Et je le voulais absolument. On en a ouvert un ensemble sur la chaîne. Et je le voulais absolument en sceller pour la collection. Du coup, bah forcément, je me suis pris le Palkia. Et j'ai pris forcément eh ben, le Dialga. Donc ces deux coffrets, je les trouve juste magnifiques. Ils vont aller tout droit dans mes coffrets pour ma collection scellée. J'aime énormément ces coffrets. Je les trouve juste magnifiques. Ils sont d'une beauté, franchement. C'est vraiment... C'est vraiment cool, sincèrement c'est vraiment cool et je suis vraiment content de les avoir à des bons prix parce que je trouve que pour 50€ en magasin, je trouve que ça fait quand même très très cher pour ce que c'est. Un coffret comme ça les amis, pour moi ça vaut 35€ pas plus. Voilà, je vous le dis clair net, ça vaut 35€ pas plus. Donc malheureusement en plus il va y avoir l'augmentation, donc les prochains coffrets bah forcément seront plus chers. Donc je sais pas trop comment ça va se passer avec l'augmentation. J'ai un petit peu peur, je vous cache pas les amis. J'ai un petit peu peur de voir les prochains coffrets à quel prix vont être. Sachant qu'en plus de ça, les boosters vont prendre 1€ par booster, 10€ par ETB. Donc ouais, si les coffrets à 50 balles vont passer à 55, ça va être compliqué. Voire même 60, ça va être même très compliqué. Donc bref, j'ai pris du coup bah, ces deux coffrets juste insane, juste incroyable, juste magnifico. Je suis très très content de rentrer ces deux coffrets dans ma collection. Ensuite, eh ben, tac tac, je me suis pris ça, les amis. Oh lolololololololo, un petit duo pack. Ça, c'est pareil, c'est pour la collection. Ça va tout droit dans ma collection. Je me suis pris un petit duo pack avec la petite figurine Pikachu. Et regardez, ça fait une petite Pokéball avec un booster Helvolville Skyle, donc Evolution Celeste. Astral Radiance, donc Astre Radieux pour ceux qui connaissent pas le English. Je sais les gars, je suis un peu... T'as vu, je parle anglais, moi, je suis un fou. Je suis un fou, je parle anglais. Evolving Sky, Astral Radiance. Enfin voilà, tu vois. Pikachu, en anglais, je crois que Pikachu, ça se dit Pikachu. Donc voilà les amis, un petit duo pack juste magnifique avec la petite figurine Pikachu. Et du coup, un petit duo pack avec la figurine Evoli. Pareil, bon le pauvre, il est à l'envers. Hein, il a la tête à l'envers, mais je crois que si on fait ça, on peut le remettre. Voilà, on le remet à peu près droit, quoi, le pauvre. Donc voilà, pareil, Astral Radiance et Evolution Céleste, deux petits duo packs. Bon, ils sont un petit peu tordus, les gars. Je sais pas, faudrait prendre un petit sèche-cheveux et les détordre un petit peu. Donc deux petits duo packs, j'aime beaucoup. Ça va aller direct dans ma collection. Je sais pas si je les laisse sceller ou si je les décèle. Pour la petite figurine, je sais pas, on verra, ça sera suivant mon humeur, je sais pas du tout, on verra bien. Du coup, ça c'est pour vous. Et du coup, ça c'est pour moi, je crois. Oui, ça c'est celui-là, c'est pour moi.
Ouais, ça c'est pour moi. Et je me suis pris, enfin en tout cas, c'est un petit cadeau de la part d'Arène du Phénix. Merci énormément mon frérot, merci, 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 mille merci mon frérot. Il m'a fait un petit cadeau avec cette petite boîte, cette petite boîte en métal. Et à l'intérieur, il y a deux boosters. Et You Pens on Pencil Organized. Donc en gros, il y a un ordinateur pour organiser tous les trucs, tu vois. C'est pas ça, non? On Pencil on Organized, les gars. Pens on Pencil Organized, ça veut dire en gros, t'as le sourcil qui est organisé, tu vois. Avec deux TCG Booster Pack to Expanded Your Collection. Donc ça, c'est pour la collection, tu vois. C'est vraiment pour la collection. Donc les gars, petite boîte en métal, franchement je la trouve vraiment belle. Pareil, est-ce que je vais l'ouvrir, est-ce que je vais la laisser sceller? Non, je pense que je vais la laisser sceller. Je vais la mettre dans une de mes vitrines, ça fera vraiment bien en vrai. Ouais, je vais la laisser sceller. En vrai, je vais la laisser sceller et ça va partir avec les deux petits coffrets. Et ça, bah, c'est vos cadeaux. Donc ça, par contre, hop, ça, on va faire comme ça. Voilà, ça. C'est vos cadeaux les amis, donc on vous les montrera plus tard en temps et en heure. Donc voilà, et ben voilà les amis, ça y est, on arrive à la fin de cette petite vidéo avec cette grosse réception. Je peux pas vous montrer pour l'instant les cadeaux qu'il y a. Je peux vous dire qu'il y a de très très beaux cadeaux à l'intérieur. Je pense que les gagnants vont être vraiment contents parce que j'ai vraiment fait en sorte de vous gâter à Noël comme vous me gâtez. Avec tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos messages de bienveillance, tous les cadeaux que vous m'avez envoyés. J'oublie pas toutes les personnes qui m'ont envoyé des cadeaux. Les amis, je vous aime tellement, la famille, je vous kiffe tellement. Vous pouvez pas savoir, vous êtes dans mon cœur à vie, sachez-le. Et j'avais absolument besoin de vous remercier pour tous les cadeaux que vous m'avez fait jusqu'à maintenant. Tous les likes, les commentaires, tous les colis que vous m'envoyez, tous les messages de bienveillance. J'ai voulu vraiment vous gâter pour Noël à la hauteur de ce que je pouvais faire parce que je gagne pas des milliers de cents par mois, sachez-le. Je gagne vraiment pas beaucoup d'argent par mois, mais j'ai vraiment vendu quelques trucs de ma collection pour vous faire un maximum de cadeaux. J'espère vraiment que ça vous plaira. Les amis, c'était PokéKiller. Restez toujours fans de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'oublie pas d'être sage. Et à bientôt.